Bonjour, alors aujourd'hui, nous allons donc euh, parler euh, d'Edgar de Kessy, donc c'est la quatrième et la dernière partie euh, sur la vie euh, d'Edgar Kessy et sur les messages qu'il a pu recevoir en auto-hypnose, vous vous rappelez de la manière dont il reçoit ces messages. Et euh, en fait, euh, eh bien aujourd'hui, cela va être consacré à l'Égypte et euh, aux prophéties qu'a reçues, euh, qu'a pu faire Edgar Kessy par rapport aux lectures qu'il a reçues. Alors vous vous rappelez, je pense, de M. Lameur, M. Lameur, ce riche imprimeur, qui un jour entre dans le studio d'Edgar Kessie, et donc euh, bah, ce dernier pense que M. Lameur vient pour avoir des lectures concernant la santé, et pas du tout. En fait, M. Lameur lui dit, mais... Euh, vous n'avez jamais pensé à recevoir des lectures qui concernent aussi l'astrologie, l'ésotérisme, euh, etc. Et c'est ainsi qu'il eh euh, il commence à recevoir plein de lectures concernant euh, toutes sortes de, de mystères, on dira, de, de, voilà, donc euh, il reçoit aussi sur euh, les Atlantes et l'Atlantide, ça on l'a vu la dernière fois, et puis donc il va recevoir, en 1933… Il va commencer à recevoir des informations par rapport à l'Égypte antique, l'Égypte ancienne. En 1933, qu'est-ce qu'il reçoit En lecture, on, on lui dit que, eh bien, euh, dans la patte droite du sphinx, à la pyramide de Gizeh, le sphinx qui se trouve à la pyramide de Gizeh, devant, eh bien, que d'abord ce sphinx a été construit avant la pyramide, et que dans cette, dans cette patte droite du sphinx se trouve un lieu qui est la salle des archives de l'humanité. Qu'est-ce qui se trouve dans cette salle des archives de l'humanité Eh bien, on a le commencement, on, on a l'explication du commencement où en fait l'esprit a pris forme. Dans cette salle, il est aussi expliqué euh, tout ce qui est, concerne la destruction de l'Atlantide, et puis aussi la construction de la pyramide initiatique. Comment elle s'est faite, et aussi euh, eh bien, les temps, euh, c'est-à-dire les dates, avec les temps, les changements de, de temps qu'il y aura par rapport à l'humanité. Et d'ailleurs, il est dit à Edgar Kessy que cette découverte de cette salle ne se fera que lorsque les temps seront euh, dans le changement, donc. Euh, on en avait parlé dans une, autre, dans une autre vidéo, je vous avais parlé de la mutation. En fait, c'est ça, les changements de temps, c'est cette mutation qui, 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 qui a lieu. Et en fait, il est expliqué que on ne pourra découvrir cette salle que quand le changement de temps sera fait et surtout que l'humanité aura une autre façon de penser. C'est-à-dire que ce qu'elle trouvera, elle le trouvera non pas pour s'en servir à des fins négatives, mais au contraire, pour avoir enfin l'explication. De, de, de ce qui s'est passé réellement dans ces temps anciens donc ce n'est pas tout de suite qu'on découvre ça. Il va recevoir aussi d'autres lectures Edgar kessy, et en fait eh bien, on va s'apercevoir au fur et à mesure de ces lectures au fur et à mesure de toutes ces lectures que on, a, on, on ne découvre rien que toutes les technologies qui reviennent actuellement ce ne sont pas des inventions mais c'est tout simplement une redécouverte la mémoire qui s'ouvre qui et, et on redécouvre ce qui était déjà au temps des atlantes parce que on s'aperçoit que les atlantes avaient une connaissance extrême mais que toutes ces technologies nouvelles qui peuvent réapparaître aujourd'hui en fait les atlantes dans les derniers temps d'existence de l'atlantide ne s'en sont servis que dans un seul but c'est d'avoir la puissance matérielle la puissance, euh, oui, pour s'en servir à des fins matérielles, à des fins d'ego et de pouvoir. Un petit peu comme ce qu'on vit aujourd'hui sur Terre. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi par rapport au, au, au Grand Sphinx, c'est qu'il a été bâti sur des canaux de drainage. Voilà. Donc, avant la troisième et dernière destruction d'Atlantide, c'est-à-dire à peu près 10 500 ans avant Jésus-Christ, beaucoup d'Atlantes... Ont migré vers l'Égypte, c'est-à-dire les Atlantes qui avaient encore une connaissance, euh, qui avaient gardé cette, cette connaissance avec le spirituel, cette ouverture, cette connexion avec le spirituel, et qui prenaient conscience qu'il allait y avoir cette destruction fatale de l'Atlantide, eh bien, eux, ils ont émigré sur, vers l'Égypte. Euh, donc toutes ces Atlantes se sont retrouvées dans ce pays, dans Égypte, en Égypte, euh, pays qui, au moment de la destruction de la Tentide, lui, atteignait le sommet de la gloire, en fait. Vous voyez Et donc, eh bien, ce pays, l'Égypte, sous la direction d'un grand prêtre qui s'appelait Rata, et qui, en fait, et ça, Edgar Kessy l'a appris euh, par des lectures euh, d'auto-hypnose qu'il a reçues, eh bien, ce grand prêtre Rata était en fait une, une vie antérieure d'Edgar Kessie. Donc Rata était en fait euh, une, une des vies d'Edgar Kessie. Eh bien ce grand prêtre en fait quel était son but lui Eh bien son but c'était de commencer à mener l'Égypte, euh, ce monde à une politique sociale à, euh, visant l'égalité, la responsabilité morale vis-à-vis -vis des autres. Et l'Égypte est considéré aujourd'hui en fait comme inégalé dans l'histoire scientifique du monde euh, avec l'introduction de l'écriture euh, de la science médicale de l'irrigation de l'architecture il y a eu aussi à cette époque-là la construction de maisons individuelles euh, et il n'y avait pas des plusieurs magasins il y avait un seul magasin qui était communautaire et donc euh, je vais quand même vous lire parce que je ne veux surtout pas, euh, surtout pas euh, risquer de, de, de ne pas répéter les paroles exactes qui ont été dans, dans une lecture d'Edgar Kessy. Et à propos de cette évolution en Égypte, Edgar Kessy dira Les travailleurs de l'État, les fonctionnaires, les fermiers, les maçons ou fabricants de papier étaient réunis en groupe. Chacun de ces groupes, sociaux bénéficiaient d'une forme d'assurance mutuelle, les gens travaillaient ensemble pour améliorer la collectivité. Or, vous vous rendez compte que par ces propos qu'il a reçus toujours en lecture, hein, par ces propos, ça rejoint ce qu'on a pu dire dans une vidéo où je vous ai parlé de la mutation. Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher actuellement Eh bien, cela de travailler en collectivité de ne pas s'affronter de ne pas chercher à ce qu'il y en ait un qui passe par-dessus l'autre. donc on se rend compte qu'en fait ces atlantes qui ont émigré vers l'égypte qui se sont fondus au monde égyptien à un moment donné bien avant bien avant le passage pharaonique hein, bien avant les, le, le comment dire les temps pharaoniques avant cela L'Égypte avait toute cette connaissance et les Atlantes avaient aussi amené la connaissance qu'ils avaient, eux, de l'Atlantide pour le bien-être, puisque c'était des êtres qui étaient complètement dans le spirituel. Donc c'était avant tout pour la collectivité et pour le bien-être. Et donc c'est absolument ce qu'on est en train de rechercher actuellement. Vous voyez le parallèle un petit peu entre le monde actuel où il y a cette mutation pour arriver à ça. Et ce que l'Égypte, en enfin, fait, ce que les Atlantes qui ont fui l'Atlantide parce qu'ils n'en pouvaient plus du pouvoir et de l'argent euh, voulaient en fait mettre en place avec les Égyptiens qui étaient au sommet de leur gloire. Dans l'Égypte pré-dynastique, on utilisait en fait euh, le courant électrique pour travailler les métaux. Les Égyptiens avaient trouvé déjà le moyen euh, d'utiliser euh, en fait des techniques pour modifier la pigmentation de la peau. Ils avaient inventé un scalpel électrique pour rajeunir les vieillards. Rendez-vous compte, tout ça, 11 000 ans avant Jésus-Christ. Ils avaient euh, en fait des connaissances médicales qui étaient très avancées. Ils utilisaient beaucoup euh, la musicothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie et donc en fait les lectures d'edgar cassi vont décrire tout ça dans ces lectures on trouve aussi les vêtements il décrit aussi des vêtements il y avait déjà des couturiers au temps de l'égypte ancienne il y avait déjà des couturiers il y avait euh, des, des, des personnes qui travaillaient euh, le lin qui travaillaient le coton qui travaillaient le chanvre le chanvre pardon qui travaillaient les fleurs de papyrus et le coton et le lotus. Donc, vous voyez que en fait, c'était des sociétés qui étaient très avancées et qui avaient une culture déjà euh, très très développée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et euh, on se rend compte que, bien sûr, puisque on le comprend, puisque on a dit que Rata, le prêtre Rata, en fait, c'était une des incarnations d'Edgar quessy Donc, on comprend pourquoi Edgar Casey a. a Tellement attaché d'importance à l'Égypte ancienne et à toutes ces lectures qu'il a pu recevoir concernant cette Égypte de 12 000 ans avant Jésus-Christ, qui n'était pas encore sous la domination des pharaons, mais qui avait une évolution extrême. extrême. Et c'est vrai qu'Edgar Kessy, on lui demandera pourquoi. En fait, pourquoi les Français sont tellement attachés à l'Égypte ancienne Parce qu'il est vrai que beaucoup de Français s'intéressent à l'Égypte ancienne. Et il expliquera, en fait, Edgar Kessie, dans, dans une de ses lectures qu'il qu aura reçu qu'en fait, ce sont beaucoup, beaucoup de Français, beaucoup d'êtres qui vivent en France, ont eu des vies, d'abord chez les Atlantes, et après en Égypte. Donc, ce côté d'être passionné de l'Égypte vient un peu de là. Alors, le temple égyptien, le temple égyptien, il était construit sur le modèle du corps humain, parce que, en fait, la médecine égyptienne visait à réintégrer chez l'homme toute l'harmonie primitive en soignant par la musique, par euh, le chant, par les parfums, par la danse. Donc en fait, on s'aperçoit que cette harmonie était essentielle dans l'Égypte. Et vous allez sourire, parce que qu'est-ce qui était, qu'est-ce que l'Égypte ancienne prônait avant tout La douceur de vivre, la tolérance. Euh, L'Égypte était éprise de beauté. Et vous savez comment elle appelait ça Elle appelait ça la bonne franquette. Ça vous parle La bonne franquette. Et en fait... Edgar Kessie, dans les lectures qu'il a reçues, disait que toute cette, cette façon de penser de l'Égypte ancienne devait aider l'être humain pour que l'on puisse retrouver cela. Et vous avouerez que c'est quand même étrange, parce que tout ce dont je viens de parler par rapport à l'Égypte, c'est exactement ce qu'on est en train de rechercher actuellement. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que par rapport, par exemple, à l'Atlantide, Edgar Kessie avait dit que... On va en parler tout à l'heure, hein, mais que dans les débuts, les débuts des années 2000, ben on allait revenir exactement au même stade que les Atlantes. On va en parler là, et que on aurait la possibilité de transformer. Et en fait, à travers tout ce que l'Égypte ancienne nous a apporté, nous a donné, on a cette possibilité aujourd'hui, puisqu'en fait tout ce que eux prônaient cette bonne franquette, donc cette douceur de vivre, cette beauté, cette tolérance. C'est ce qu'on recherche. Vous voyez comme c'est fabuleux, en fait, de se dire que tout ce qui a pu être dans ces temps-là, ça revient aujourd'hui. C'est exact. C'est un, un éternel recommencement et que, en fait, ce que l'Égypte nous a enseigné, l'Égypte ancienne nous a enseigné, eh bien aujourd'hui, on veut de nouveau l'appliquer. C'est magnifique, non Alors maintenant, nous allons passer aux prophéties d'Edgar ici. Entre 1939 et 1940, Edgar Kessy va recevoir une lecture très détaillée euh, où euh, on va affirmer qu'entre 1968 et 1969, sera retrouvé euh, vers, les, vers les Bahamas, devant les îles de Bermini, eh bien, on retrouvera euh, des, des restes d'Atlantide. Alors, en fait, ça, on rappelle, il l'a reçu en 1939. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé En septembre 1968, il y a des blocs de pierre alignés sur 800 mètres qui ont été découverts euh, aux Bahamas. Et en fait, l'historien David Zunk s'est déplacé et en ayant fait plusieurs expéditions sous-marines, eh il a affirmé que ces blocs de pierre avait été érigé par des hommes. Ça ne pouvait pas être autrement. Et deux archéologues, qui ont fait partie des expéditions aussi, en même temps que l'historien, eux ont affirmé que ça faisait bien partie d'une civilisation qui était disparue, qui avait disparu. Donc vous voyez que, euh, bah, quelques 40 ans avant, 40, plus de 40 ans, eh bien Edgar Cayce, dans ses lectures, avait reçu, en fait, cette information qu'il y aurait bien des blocs de pierre qui seraient trouvés et qu'il y aurait bien une partie de l'Atlantique qui serait redécouverte. Et il a dit autre chose. Il a dit autre chose en 1939, euh, peut-être même un petit peu avant, entre entre, 20, entre 30 et 39. Eh bien, il a dit que dans les, dans les années 2029-2030, donc c'est pas si loin de nous, hein, ça fait dans sept dans ans. Hein, eh bien, il y aurait un, un, un mini-tremblement de terre vers, vers les Açores, et que là, qu'est-ce qui serait redécouvert Poséidia. Et que Poséidia ressurgirait de, des eaux, et qu'on ne pourrait que constater et que affirmer l'existence d'Atlantide parce que Poséidia ressortirait des eaux. Donc dans 7 ans, dans 7-8 ans à peu près. Voilà, vous voyez comment c'est fantastique ces, ces prophéties reçues dans les lectures d'Edgar Kessie, parce que là même, bah, là on peut en être tellement loin, c'est-à-dire que nous, on va pouvoir s'en rendre compte euh, en 68 et 69 déjà, mais bon, peut-être qu'on est passé à côté parce qu'on ne connaissait pas les prédictions d'Edgar de, Kessie, alors l'historien et les archéologues, eux, sont pas passés à côté, mais nous, peut-être, que nous n'en avions pas cette conscience à l'époque, mais là, d'ici 7-8 ans... Eh bien, on va pouvoir constater tout ça. C'est magnifique. On a beaucoup de chance de, de, de se dire que si on est encore dans ce monde, on pourra peut-être justement redécouvrir Poséidia. C'est magique. Alors Edgar Cayce, donc, il va dire, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, que les débuts des années 2000, en fait, euh, va, euh, va se passer un changement, va se passer un bouleversement pour la Terre un changement pour la Terre, et qu'il y aura des conséquences, et que ça ne sera pas innocent. Alors, on peut quand même, euh, parce qu'il parle essentiellement qu'il y aura le renversement des pôles, des axes des pôles, on peut quand même euh, penser par rapport à ce qui s'est passé en 2004, hein, le tsunami qui a quand même été bouleversant, où il y a eu énormément d'êtres qui sont passés de l'autre côté à cette période-là. Je crois qu'il y en a eu presque 250 000 hein, de personnes qui ont qui sont disparues par rapport au tsunami. Et en fait, que ce bouleversement des pôles dont parlait Edgar Cassi dans une lecture au tout début des années 2000, effectivement, on peut s'interroger, se demander si c'est pas si ça n'en faisait pas partie, disons. Il faut savoir qu'Edgar Cassi a parlé de, de, de Pluton. Simplement, il en a parlé bien avant qu'on découvre Pluton. Je vous rappelle quand même qu'Edgar Kessie, il n'avait pas du tout de connaissances, euh, beaucoup de culture en fait, Edgar Kessie. Hein. Il a parlé de Septimus en 1923, alors que Pluton n'a été découvert qu'en 1930. D'accord Et en 1923, qu'est-ce qu'il disait que Septimus Il disait que c'était... Euh, une planète euh, qui allait un petit peu euh, révolutionner l'être humain dans les années 2000 parce que ça allait euh, justement avoir des influences sur le côté euh, spirituel si mais qu'avant d'avoir ce, ces influences sur le côté spirituel il y aurait des bouleversements et que avant tous ces bouleversements ils allaient être comment? Ils allaient influencer l'être humain que l'être humain allait devenir centré sur lui-même. C'est bien ce dont on parle actuellement. Que l'être humain allait être centré sur lui-même, qu'il allait donc rentrer dans un espèce d'égoïsme, dans une espèce d'égoïsme, à moins qu'il comprennent. Bon, on se rend compte que là, on n'a pas encore compris, et que donc sur plusieurs générations, eh bien, l'être allait être centré sur lui, mais qu'il allait aussi y avoir beaucoup de problèmes avec l'eau, qu'il allait beaucoup y avoir de problèmes avec le feu, avec le feu et les armes à feu. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui Donc, en fait, tout ce qu'il avait, ce dont il avait parlé par rapport à Septimus, qu'il appelait Septimus, qui en fait est Pluton, eh bien, euh, c'est en train de se produire. Parce que Edgar Kessy disait que l'homme, en fait, se tournera s'il ne comprend pas qu'il doit se tourner vers le spirituel, se tournera vers le pouvoir, vers l'ego, vers l'argent. C'est exactement ce que l'on est en train de vivre. Et cette mutation dont nous parlons, dont, que nous vivons actuellement, tend à nous faire justement lâcher tout ça pour retourner vers ce spirituel, puisque Edgar Cayce dans ses lectures le dit bien, cette influence de Pluton que l'on aura doit nous amener au spirituel. On doit aller vers ce spirituel. voyez Donc, c'est important, toutes ces lectures, qui sont encore, que l'on peut encore, euh, euh, si on va à Virginia Beach, hein, aux États-Unis, on peut encore les, les, les consulter, hein, toutes ces lectures. Hein. Donc, il euh, y a beaucoup d'étudiants qui y vont tous les ans, d'ailleurs. Donc voilà, c'est primordial ce qu'il ce, ce qu nous a donné là, parce que ça nous permet de comprendre vers quoi on doit aller. Et c'est pour ça que dans une lecture, Edgar Casey disait que nous allions nous retrouver au même stade que les Atlantes, c'est-à-dire les Atlantes qui ne pensaient certains, bien sûr, hein, puisque les autres avaient émigré vers l'Égypte, mais ceux qui restaient avant la destruction ne pensaient qu'à l'argent, au pouvoir et à l'ego. Et donc Edgar Kesy disait, vous allez vous retrouver au même point, dans le début des années 2000 que les Atlantes, qu'est-ce que vous allez faire Vous avez la possibilité d'aller vers un monde, un monde spirituel, un monde meilleur. C'est entre vos mains. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans la mutation. Vous voyez comme c'est magnifique, comme tout se recoupe. Moi je trouve ça extraordinaire. Alors, ce qui est très important aussi, c'est qu'Edgar Kessi dira que les catastrophes ne sont jamais obligatoires. Et que tout peut être évité si l'humain prend conscience. Je pense que ça, c'est très important et que c'est aussi d'actualité. Là, je vais être obligée de vous lire plusieurs, euh, plusieurs paroles d'Edgar Kessy parce que je ne veux surtout pas, surtout pas les écorcher parce que c'est trop important. Donc, je vous prie de m'excuser d'avance parce que je n'aime pas lire, mais là, vraiment, euh, je pense que c'est utile de le faire. Mais avant. Je vais vous dire que ce qu'il a aussi, ce dont il a aussi parlé dans une lecture Edgar Casey, il a parlé de l'atome, bien avant que l'atome soit découvert en 1932, il en a parlé. Donc, vous voyez que là aussi, euh, dans toutes ces lectures, eh bien, on, on peut constater que tout ce qu'il recevait était juste. Alors, bien sûr, il y a des prédictions qui ne se sont pas passées. Dans celles que, que, que Edgar Cayce a données, il y a des choses qui ne se sont pas passées. Mais pourquoi Parce que l'homme a modifié. C'est-à-dire que l'homme a toujours la possibilité de modifier le cours de son histoire. Mais il avait bien parlé de, de, du, du, du clash qu'il allait y avoir aux États-Unis, euh, qui, qui s'est passé en 1939, je crois. Euh, il a parlé d'Hitler, de la guerre. Tout ça, il en a parlé dans ses lectures. Donc c'est quand même essentiel. Alors, par rapport justement, c'est là où je vais commencer à lire, euh, à lire ce que Edgar Kessy disait, par rapport donc à l'atome. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à l'atome Eh bien, il va dire il n'y a pas une seule maladie que nous n'ayons déjà construite dans notre mental. C'est notre esprit qui construit chaque cellule de notre corps. L'origine des maladies est dans la tête. Personne ne peut haïr son voisin. Sans avoir une maladie d'estomac ou de foie. Personne ne peut être jaloux et se laisser aller à la colère sans avoir des troubles digestifs ou cardiaques. La haine et les jalousies sont filles de la peur. La, col la colère est un poison pour tout l'organisme. Les ressentis produits dans l'organisme des sécrétions. Qui nuisent aux différents systèmes circulatoires, digestifs et respiratoires. Le cafard, le cafard, on passe tous par des moments de cafard, dérègle le pancréas et certaines fonctions hépatiques. Les mauvaises pensées et les actes destructeurs créent un poison dans le mental. Il dira chaque atome est un univers un élément en soi, ou il agit dans le sens de la coordination des énergies, ou bien il crée des énergies de rupture par les toxines qu'il produit. Le corps est une structure composée d'atomes qui sont des unités d'énergie. Il va insister aussi sur l'importance des glandes endocrines, parce qu'il dira qu'elles sont le point de contact entre trois corps, le lieu où s'incarne l'esprit et l'âme. Alors, il va dire aussi que nos filles et nos fils futurs vont prophétiseront à la fin des temps, mais qu'il faudra bien faire attention de tous ces faux prophètes qui vont se multiplier. En fait, c'est exactement ce dont on s'aperçoit en ce moment. Actuellement, tout le monde est médium par exemple. Mais il y a énormément de faux prophètes. Ou alors vous avez des thérapeutes qui s'improvisent avec des noms spectaculaires. Donc c'est là où en fait les guides nous disent qu'il faut que l'on fasse marcher notre discernement et qu'on fasse attention. Il disait aussi, parce que je sais que c'est la grande mode, et là aussi je vais me permettre de lire ses paroles euh, il dira que les dons de prophétie vont être recherchés dans les temps, dans la, la période de l'an 2000 dans laquelle on, on se trouve mais qu'ils seront surtout recherchés pour leurs avantages matériels ou satisfactions terrestres, alors que ça n'a aucun rapport et que donc tout ce qui sera créatif dans ces prophéties va mourir, parce que le but c'est le spirituel, c'est pas d'en profiter, d'en tirer un profit quelconque. Et il dira à propos de l'écriture automatique, parce que ça c'est la grande mode, l'écriture automatique, et il y a tellement de, de personnes qui disent ah, ⁇ si, si, vous devez essayer l'écriture alors que c'est extrêmement dangereux ⁇ Eh bien, à propos de l'écriture automatique, il dira ⁇ je vous rappelle qu'il n'avait aucune notion de ce qu'était l'écriture automatique, hein, puisque à l'époque où il était, c'est là où, où il y avait eu déjà Alan Kardec et tout, mais, mais Edgar Kessie, il ne connaissait pas tout ça. Et il dira à ce propos ⁇ attention à certaines influences extérieures. Sachez de qui elles proviennent, car être dirigé par une entité dont on ne sait pas si elle se réclame de l'esprit de vérité, c'est risquer de se faire briser. Faute d'avoir pris les précautions nécessaires, faute de sérieux ou de prudence, on risque certainement d'attirer des esprits du bas astral, des premiers plans. Vous voyez Donc, Edgar Kessie euh, a déjà cette notion dans les lectures qu'il reçoit des dangers qui pourront se produire dans les années 2000, donc où on se trouve actuellement. Alors il va recevoir aussi dans ses lectures en, en prophétie, bah, on va lui demander de fonder un groupe avec cette personne, comme quoi il devra mettre en place ce groupe pour fonder Virginia Beach. Virginia Beach, on en a parlé dans, dans les autres euh, vidéos que j'ai faites sur Edgar Kessy, qui est un lieu central par rapport à, à Edgar puisque puisqu'au départ c'était un hôpital où euh, allaient être soignés les gens par les lectures qu'Edgar Kessy faisait. Et puis euh, Virginia Beach a été détruit et ça a été reconstruit. Et c'est là où maintenant les étudiants peuvent aller tous les ans pour, euh, et, euh, pour regarder, pour étudier les lectures qui ont été faites d'Edgar Kessy. Edgar Cayce, il a reçu plus de 14 000 lectures dans toute sa vie. Hein. Et euh, c'est parce qu'il a voulu aider, aider, aider qu'en fait il n'a pas tenu, puisqu'on lui demandait de ne pas en faire trop euh, par jour, alors qu'il en faisait euh, jusqu'à 7 par jour, alors qu'on lui, lui demandait d'en faire très très peu et qu'il est, il est parti d'épuisement en fait, parce qu'il il voulait tellement aider. Voilà. J'espère que. Tout ce que j'ai pu vous dire sur Edgar Casey va, va vous donner l'envie d'en savoir plus, de lire davantage. Alors on me demande souvent les, quels sont les ouvrages qui sont euh, consacrés à Edgar Cayce, qui sont bien. Moi je vous dirais que c'est les livres de Robert, euh, de, des éditions Robert Laffont, les vous savez les anciens livres noirs là qui étaient, je crois que c'est la série des énigmes, les énigmes de l'univers. Qui sont sur fond noir euh, écrits en doré ou en blanc. Et euh, là, il y a trois ou quatre livres sur Edgar Cayce qui sont extraordinaires et qui vous en apprennent beaucoup sur lui. Voilà. J'espère vous avoir vraiment donné envie de découvrir cet homme que je trouve extraordinaire, qui est un des médiums euh, les plus fantastiques de notre époque, euh, par tout ce qu'il nous a laissé comme lecture. D'abord, c'est un des seuls où on a les lectures qui sont à notre disposition. Et puis, euh, par tout ce qu'il nous a donné, par tout ce qui peut encore être utile à l'heure actuelle, euh, par, par les lectures qu'il a données et, et qui peuvent nous aider dans cette période de, de tourmente que l'on traverse, c'est pour moi quelqu'un de vraiment fantastique. Et j'espère, à travers ces quatre vidéos, vous avoir donné l'envie de, de le connaître davantage. Voilà. Donc, pour la série d'Edgar Kessie... Ça se termine. Et puis, euh, bah, ce que je voulais vous annoncer, c'est que je vais continuer à parler de, des hommes qui ont été importants euh, par rapport à la médiumnité, par rapport au côté spirituel. Et le prochain dont je vous parlerai, eh bien, ce sera Victor Hugo. Merci. À bientôt.